Salut les amis, j'espère que vous avez tous semaine fait pas bien aujourd'hui pour le vidéo comme il est personne parce que je n'ai pas de mieux aujourd'hui. Ils m'ont fait une vidéo très spéciale sur KaFaction, le meilleur serveur PvP faction du moment. Si vous avez envie de rejoindre les serveurs les amis, c'est très simple, le lien est en description, vous faites KaFaction.net et puis vous pouvez rejoindre le launcher, accepter crack 1.7, quoi d'autre que je devrais dire sur le serveur, c'est un serveur farm to win compétitif, donc et c'est mon serveur. Allez salut, venez les amis. Donc si vous connaissez pas déjà le serveur, voici une petite description, et sinon pour ceux qui connaissent, aujourd'hui les amis, on se lance avec la première épisode de la série Boss Tour sur KaFaction V3, parce que V3 on a fait sur la V2, la V1 et tout, mais là c'est rendu à la V3 les amis. Je suis plutôt intéressé parce que aujourd'hui on va peut-être découvrir des belles bases. Il y a 950 personnes sur le network, 400 sur le faction. Donc peut-être qu'on aura vraiment des belles bases pour un début les amis. Il faut savoir que le serveur est ouvert depuis seulement 5 jours exactement. Donc ça se peut que ce soit pas des super belles bases comme on va les voir dans quelques semaines, mais pour l'instant c'est le début des bases, donc c'est déjà des belles bases. Je vais surtout vous montrer, je crois, des farms parce que c'est un serveur compétitif, donc je vais surtout vous montrer des farms, des bases un peu stylées et tout. Donc on se retrouve les amis avec la première base. La première base les amis est la base de la Ace. C'est marqué la what? Les amis, ils ont fait un chien avec mon nom dessus. Ça, je suis pas d'accord. Ils ont un champ de buisson ici. Grain d'avocat. Ok, n'a pas touché. Dans le fond, c'est une personne. Sinon, très très grosse farm. Très très grosse base, je vais dire plutôt. Donc, c'est quoi qu'on a ici? On a un petit spawner. Mais ça, dans mes souvenirs, c'était pas comme ça ici. Hop là, j'arrête pas de faire slash SC quand je veux ouvrir le game mode. Je sais pas pourquoi. Mais ça, dans mes souvenirs, c'était plus gros que ça. Peut-être qu'ils se sont fait piller. Ici, ils vont faire un genre de base de sécu. Je sais pas. Peut-être qu'ils se sont fait piller. Attends, je vais aller voir. Ah non, c'est ça. Regardez, ils ont fait des étages avec les harvesteurs qui récoltent automatiquement pour eux. Ils ont un autre truc à carotte ici. Normalement, il y a un autre harvesteur ici, j'ai l'impression. Et ça monte jusqu'en haut. What the fuck? Regardez ce qu'ils ont fait, ces bâtards. Tout le cannabis. Oh là là, mes FPS, les gars. Oh, mes FPS, les gars. Et c'est une base sécu. C'est comment ils ont fait? Ouais, c'est juste une petite base. Ils ont creusé, en fait. Ouais, ils ont creusé tout un chunk. Et ils ont fait des champs de canne à sucre aux extérieurs. What the fuck? Franchement, Stylax. En plus, bon, c'est sûr que ça va vite quand t'as 2 beacons avec As-2. Je crois qu'on on tape super vite ici. Si on met As-2 dans les beacons, ça va super vite pour creuser. Donc, ça n'a pas été super long creuser. Mais franchement, tout le cannabis et tout ça. Si vous arrivez à mettre des harvesters partout, ça serait... Oh, oh j'ai rien fait. Ça serait vraiment stylé, vraiment cool. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté ici? Non, c'est juste de l'obsidienne normale. Je pensais qu'il y avait peut-être un petit truc en obsidienne. Si on descend ici, on va juste aller voir en plus bas. Donc, on va regarder vite fait dans les coffres. Donc, on a des barrels ici. Ils ont masse de joints. On peut voir. Ils ont 7 stacks de 64 joints plus 50. Ensuite, ils ont des perles. Donc, des perles, des potions de speed. Du cannabis, des trucs comme de base. Donc, quoi d'autre? Ils ont toutes des affaires de farm ici dans les coffres. On peut voir, c'est toutes des petites armures, des trucs de farm. Je sais pas s'ils sont gradés. On peut voir, lui, il est pas gradé. Donc, je crois pas que ce soit une faction qui est gradée. De toute façon, comme vous le savez les amis, c'est quand même assez simple d'obtenir de l'argent sur le serveur et vous pouvez acheter tous les kits en jeu. Donc je crois pas que ça va faire une différence, franchement, que vous soyez gradé ou pas, vous avez tout à avoir une chance de gagner le classement. D'ailleurs, on va voir un petit classement, donc Get Dunked, No Fake, Duck, Propine, RTX, One Tooth, Ace, Factory, Ultra, Dox. Top 10, plutôt intéressant. On part de 2 à 50 points directement. Donc, Get Dunked sont quand même assez avancés. Mais ça veut rien dire. Parce que peut-être que les farms qu'on va voir suivants vont peut-être avoir la chance de les dépasser très rapidement. J'ai choisi cette base-là pour la décoration. Parce que vous savez, j'adore ce genre de base comme ça. Je trouve ça méga stylé. Et ils ont fait une base avec la lumière et tout bien calculé. Ils ont fait des spawners à golem. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon pour les spawners à golem. C'est un peu gaspillé de les avoir mis là. Aïe, mais ça reste magnifique. Je sais pas à qui c'est cette base-là. Je me suis TP aléatoirement, les amis. Je vais pas vous mentir, je me suis TP aléatoirement. Donc, je sais pas du tout c'est à qui. Mais je sais qu'on va aller jeter un coup d'œil en haut. Donc, je sais pas pourquoi. Mais la potion de truc, elle fonctionne pas. De Night Vision. Elle casse les orteils. J'essaie de mettre une potion de Night Vision. Et ça fonctionne pas. Attendez, on va peut-être en prendre une nouvelle. Peut-être qu'elle est juste buggée. Non, elle marche pas. Regardez. What? Je sais pas. C'est bizarre. C'est un petit bug. Donc, ici, on a encore des golems. 415 golems. What? Et ici, on a qui est Darkla. Lui, je crois qu'il est un VIP. Je suis pas sûr. Je crois qu'il est élite. Donc, on va avoir une petite farm ici. Et ici, ils font quoi ici? Ils font une farm à quoi ici? C'est une farm à quoi ça ici? Une farm à carottes et tout. Ah, oh, ok. Ouais, le truc de carottes, on faisait sur...
sur skill PVP. Ok, stylé, stylé, les gars. Continuez comme ça. Ici, on a quoi en haut? Je suis désolé qu'il fasse un peu noir, les amis. M'excuse, m'excuse. J'arrive pas à mettre des potions, vous voyez? Ça fonctionne pas. Oula, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Attends, je vais essayer en survie, peut-être. Non, même pas. Ça, c'est bizarre, ça fonctionne pas. Ici, on a quoi? Ok. Ok. Rien d'intéressant. Oh, il y a des barrels. Ils ont rien dedans leurs barrels, je crois. Ah, oh, des graines de cannabis max. On va continuer à monter, on va aller voir l'extérieur, comment ils ont fait à l'extérieur. C'est bien protégé, on peut voir, il y a une bonne protection, je vais pas vous montrer toute leur couche de défense. Mais oh putain, on peut voir que c'était... What? Ils ont fait un shot de cannabis sur dessus, en plus de tout ça. What, c'est des mongols, hein, vraiment. Ils sont vraiment fous. Bon, un grand champ de cannabis. Ici, ils mettraient un harvester, là. Oh là là, ça doit récolter à masse les harvesters comme ça. Truc de fou. Bien joué les gars. Donc une base stylée en plus d'avoir des champs et des une base quand même assez sécu. C'est cool de voir qu'il y a des bases sécu autant que des farms quand même. Donc c'est cool. On se retrouve avec la dernière. C'est bon mes chers amis, on était à la troisième base. En plus j'ai mis un pack des textures et j'ai crack mon gamma pour que ça soit plus beau pour vous. Vraiment désolé les amis. Donc aujourd'hui on est dans la base de la Paradise. Donc FF Paradise. C'est qui la Paradise? C'est Aikubo décembre accueilli. Oh, ils ont déjà gagné la version 1, eux. Ils ont déjà gagné. Ce gars-là, là. Vous voyez ce gars-là, les amis? Lui, il est blacklist. Ban. It's the Ox. Blacklisted. Ok, lui, vraiment pas un bon garçon. Très bad blacklisted. Ok, on continue la vidéo, les amis. On oublie ce moment-là. Donc, on peut voir qu'eux, ils doivent jouer le classement énormément parce qu'ils font des farms de citrouilles automatiques de chaque côté. Avec un genre de soleil ici. What the fuck? J'ai pas compris pourquoi il y a un soleil. Mais ils font un saleté de trucs ici. What the fuck? Attends, il y a le truc en haut, c'est marqué quoi? NZ. NZ. Icons! Oh! C'est très aimable! Merci, les copains! What the fuck? Pourquoi ils mettent des vitres entre chaque? Ça sert à quoi la vitre, les gars? Je sais pas en vrai, hein. C'est bizarre qu'ils mettent de la vitre. Avant, je pensais pas qu'on mettait de la vitre comme ça. Peut-être que ça l'aide à les citrouilles à descendre. Sûrement. C'est vrai, ça doit sûrement aider la map à grandir. Sinon, ici, il y a quoi? Ils ont-ils juste ça comme farm? Oh! Oh my god. Vous voyez mes FPS dropper, les amis. C'est que ça fait trop laguer les farms, les bases comme ça sur les PC. Et genre, toute ma carte graphique, elle est presque morte. Ici, ils ont un champ de carottes. Pas pire, pas pire, pas pire du tout. Ici, ils ont-ils une base sécure ou c'est juste un champ, en fait? J'ai l'impression que c'est juste un champ, les gars. Ouais, ouais, c'est juste un champ. On va quand même essayer d'aller voir en haut. Oh, ils ont des coffres ici, on va voir. Ils ont combien de cannabis? Ils ont seulement 5 cannabis. Ils ont 8 stacks de terre. 2, ça, des arbres, des graines. Ils ont des sacs de lave. Ils ont des briquets Unbreaking 3. Donc, ils ont fait leur kit pillage, je crois. Parce que c'est la seule façon... Oh my god, tous les blocs de redstone. What the fuck? Ils ont miné comme des malades ou quoi? Je vais juste aller voir l'extérieur si c'est protégé ou quoi. Ouais, ils ont juste fait un truc avec de l'eau. Quand même assez stylé, hein. C'est claim par une autre faction juste ici. C'est marqué FF Syndrome. Oh, attendez, j'ai fait une mauvaise commande. Hop, là. Donc, ça, c'est une autre faction. C'est genre des alliés ou des ennemis. Je sais pas. Mais du moins, on peut voir que c'est une faction qui doit être quand même assez populaire. Oh! 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 On regarde le fight en direct, les amis! What the fuck? Combat! Combat de gitan! What the fuck? Qui va gagner? What the fuck? Canisop. Attends, FF. Faut juste comprendre bien le fight. Canisop. Donc lui, il est dans la Kinder. Lui, il est dans la faction de lui. Non, eux sont alliés avec la Paradise. Et eux, c'est qui, en fait? Ils ont accès au terrain. C'est la Nova White. On peut voir en haut, ennemi Nova White. Donc, Nova White. Holy shit. Ok, ok. C'est un saleté de combat, en fait. Donc, c'est 3-4 factions qui sont en train de se... Oh là là. Casse-couille tout ça, les amis. Oh là là. Bonne chance à eux. Oh! Malheureusement, les amis, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui parce que les bases, j'ai pas réussi à trouver 3 ou d'autres bases. C'est vraiment dommage, malheureusement. Mais dans la prochaine vidéo, les amis, je vous promets à 100%
que ça va être des plus belles bases, des plus grosses bases, des plus belles bases, dans le sens des décorations, mais aussi des grosses farms, des trucs dans le genre. Si vous avez, les amis, une base que vous voulez que je présente sur le serveur, mettez-moi en commentaire, déjà mettez un pouce bleu, mais mettez en commentaire votre pseudo ainsi que le nom de votre home. Donc, votre pseudo et le nom de votre home que je puisse aller visiter lorsque vous êtes connecté ou non, pour que je puisse regarder tout ça et trouver trois belles bases à représenter dans le prochain épisode. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo aussi vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, la partager avec tous vos amis. Et je voulais vous remercier pour le support que vous apportez à CoFaction les amis. Comme vous voyez, on a encore 472 et ma vidéo, je l'ai tournée sur à peu près 30-40 minutes. Donc ça bouge pas, ça reste tout le temps le même nombre de connectés. C'est plutôt stylax. Donc un gros merci à chacun d'entre vous qui supporte CoFaction et qui adore le serveur autant que moi. Donc voilà les amis, je vous aime énormément. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo si j'ai le temps. Sinon pour un petit live, c'était Icons. Ciao ciao.